Yeah.
défense de la Constitution, FLDC, est constituée de la société civile, des partis politiques, des syndicats et de tous les citoyens engagés pour la cause qu'ils défendent. Comme son nom l'indique, le FLDC a pour objectif principal la lutte pour la défense de la Constitution de notre pays. Nous, femmes du front, nous comptons jouer notre partition dans ce combat pour la démocratie dans notre pays. En effet, vu les articles 27 et 154 de la Constitution qui stipulent respectivement que, je cite, le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. La forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité et le principe de l'unicité de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision. Nous, femmes du front, pour la défense de la Constitution, exigeons le respect inconditionnel de ces dispositions de notre loi suprême. Le citoyen guinéen qui a prêté serment devant le peuple et a juré de respecter et de faire respecter notre Constitution est bel et bien le président de la République, M. Alpha Condé. Par conséquent, il aurait dû être aujourd'hui membre du FNDC, dont le seul objectif est la défense de la Constitution. Nous invitons toutes les bonnes volontés à interpeller le chef de l'État à ne pas succomber aux sirènes révisionnistes. Au regard de ce qui précède, nous considérons tout citoyen guinéen, qui qu'il soit, ne respectant pas ces 2 dispositions de la Constitution comme étant purement et simplement un putschiste dont l'acte sera considéré comme un coup d'État civil. C'est pourquoi nous, femmes du front, nous n'accepterons pas le tripatouillage de la Constitution. Nous invitons toutes les femmes de Guinée, éprises de paix et de justice, à se joindre à nous pour barrer la route à toute forme de violation de la Constitution. Non au hold-up constitutionnel. Non à un référendum. Non au glissement du calendrier. Non et non et non à un troisième mandat. Non et non et non à un troisième mandat. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Vive l'unité nationale. Vive l'unité nationale. Vive la République de Guinée. Vive la République de Guinée. Merci. Le mandat du président qui est non négociable. Et nous savons que tout ce qui est en train d'être fait ici, c'est pour donner au président un troisième mandat. Alors vous considérez en fait dans vos discours, vous dites que tout citoyen en fait qui se lève pas contre cette volonté du troisième mandat est considéré comme un putschiste. On va y revenir à Diane. Il est considéré comme un putschiste parce que c'est comme je viens de le dire tout à l'heure, il n'y a rien qui amène à tout mettre une nouvelle constitution. La situation sociopolitique du pays est stable, les institutions fonctionnent normalement. Le président de la République a été élu à partir de cette constitution est là. Et lui, il a juré de défendre cette constitution. Aujourd'hui, nous ne voyons aucune situation qui amène
à soumettre une nouvelle constitution au peuple de Guinée. Ce qui veut dire que toute personne qui se va se hasarder dans ce domaine est constituée comme un putschiste. C'est un coup d'État. Parce qu'aucune loi légale ne l'autorise. C'est illégal du début à la fin. Alors il faut qu'on apprenne à lire les lois dans ce pays, à respecter les lois dans ce pays. On ne peut pas élire un président avec une constitution, un premier mandat, un deuxième mandat. Il fait les deux mandats. À la fin du mandat, du deuxième mandat, c'est en ce moment qu'il se lève pour dire qu'il y a des insuffisances dans la constitution. Ce n'est pas possible, ce n'est écrit nulle part. On n'acceptera pas ça. L'alternance verra le jour en 2020 et nous les femmes, nous serons à l'avant-garde. Nous allons nous battre pour cela jusqu'à ce qu'on commence à respecter les lois dans ce pays. Madame Ba, vous allez vous battre. Dans les prochains jours et les prochains mois, quelles sont les actions de protestation que vous comptez mener sur le terrain? Les actions, c'est d'abord les meetings, les sensibilisations, les marches. Nous allons les reprendre, on vous informe ici, nous allons reprendre les marches. Parce que vous avez vu, pendant que le ministre de l'Intérieur a fait un arrêté pour interdire toute manifestation, tous les jours c'est la mouvance qui fait les manifestations. Nous considérons que cette interdiction est levée et nous aussi nous allons nous mettre dans la rue parce que c'est un droit constitutionnel de nous exprimer. C'est un droit constitutionnel de faire savoir notre position en faisant des manifestations, en faisant des marches. Il faut que ça commence à se respecter dans ce pays. Merci, madame.